La parole du Seigneur a été écrite pour nous. Elle est proclamée pour nous. Nous allons écouter la lecture de 1 Thessaloniciens 4, les versets 9 à 12 à la page 232 dans vos Bibles. Première épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 4, les versets 9 à 12. Lecture que nous ferons après avoir prié. Prions d'abord. Merci Seigneur d'avoir donné ta parole, merci de l'envoyer pour nous, de faire en sorte qu'elle soit proclamée encore aujourd'hui, partout dans le monde, pour que ton peuple soit nourri et affermi puissamment par toi. S'il n'y avait pas ton évangile glorieux, nous, serons, nous serions accablés de, de tellement de désespoir, mais par ta glorieuse bonne nouvelle, tu nous relèves. Tu nous remplis de soleil dans le cœur, tu nous fais du bien, tu nous encourages, et nous t'en rendons grâce ensemble. Nous sommes venus dans ce sanctuaire ensemble retremper notre courage et chercher auprès de toi la force pour poursuivre notre marche ici-bas maintenant. Marche que tu nous appelles à, à vivre d'une manière digne de ton évangile. C'est pourquoi nous te supplions. D'œuvrer en nous par ton esprit, de nous remplir de ta vie, de nous remplir de, de joie et de reconnaissance en écoutant ta vérité et qu'elle puisse nous façonner à la ressemblance de Jésus-Christ, l'homme parfait, notre sauveur, médiateur, libérateur, grand, bienfaiteur, au nom de qui nous te prions ce matin. Amen. Écoutons donc. Cette lecture en 1 Thessaloniciens 4, les versets 9 à 12. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous êtes vous-même instruits par Dieu en vue de l'amour réciproque. C'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à progresser encore, à mettre votre honneur à vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, cela pour que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Amen. Au fil des années, vous m'avez déjà entendu ici parler de C.S. Lewis, qui est un professeur et auteur britannique qui a écrit de nombreux livres, dont plusieurs sont très utiles au peuple de Dieu. Mais vous ne m'avez probablement jamais entendu parler de son épouse, Joy Davidman était autrefois une communiste athée que Dieu a convertie pour sa gloire. Elle était écrivaine et poétesse américaine. Ils se sont mariés, et ils ont été mariés seulement quatre ans puisqu'elle est morte du cancer du cerveau. Mais dans tout ce qu'elle a écrit, je tire ce matin une phrase pour introduire la prédication. Elle a dit, Un chrétien hypocrite donne naissance à 100 incrédule. Un chrétien hypocrite donne naissance à cent incrédules. Autrement dit, quand quelqu'un se dit chrétien et le proclame auprès de ceux qui l'entourent, et qu'en même temps il vit d'une manière contraire aux principes chrétiens, autrement dit, il ne se soucie pas vraiment de L'amour, de l'honnêteté, de l'intégrité, alors il est en train de repousser les gens du christianisme. Il est en train de donner aux gens qui le voient vivre une espèce de dégoût lorsqu'un chrétien se fait connaître comme étant chrétien, mais qu'il vit dans l'impatience, euh, lorsqu'il est malhonnête avec euh, ceux qui l'entourent. Lorsqu'il exaspère tout le monde, lorsqu'il a un mauvais témoignage, il est en train de repousser les gens. C'est dans ce sens qu'elle a dit un chrétien hypocrite donne naissance à cent incrédules. Et j'imagine très bien l'apôtre Paul aurait été d'accord avec une telle affirmation, parce que l'apôtre Paul à plusieurs reprises dans ses épîtres prend la peine de parler de l'importance du témoignage auprès de ceux qu'il appelle dans notre verset 12 ceux du dehors, ceux du dehors, c'est-à-dire les incroyants. Pour l'apôtre Paul, c'était extrêmement important que le peuple de Dieu se conduise autant que possible par la puissance du Saint-Esprit, bien sûr, comme des enfants de Dieu, en ayant un beau témoignage, en manifestant les vertus chrétiennes. Et Paul en parle souvent, il va même jusqu'à dire, à un moment donné à ses lecteurs, le nom de Dieu est à cause de vous. Blasphémé parmi les païens. Dans notre méditation de la première épître de Paul aux Thessaloniciens, nous sommes rendus ce matin au chapitre 4, au verset 9 à 12. Je vous rappelle brièvement que dans les chapitres 1 à 3, l'apôtre Paul est revenu sur sa visite à Thessalonique, sur les circonstances de sa visite, et il s'est défendu contre les critiques accusatrices des adversaires. Maintenant, dans les chapitres 4 et 5, il regarde vers le présent et le futur en abordant certains problèmes liés à la conduite chrétienne. Il passe d'explications sur sa propre conduite à lui quand il était parmi eux, à leur conduite maintenant à eux dans le monde et parmi ceux du dehors. Une des faiblesses du christianisme d'aujourd'hui. C'est notre négligence de l'éthique chrétienne, de la mise en pratique de la parole de Dieu. Les chrétiens sont connus jusqu'à un certain point pour proclamer la bonne nouvelle, mais sont moins bien connus pour vivre la bonne nouvelle, pour l'honorer par des vies d'obéissance. L'apôtre Paul présente un contraste frappant dans ses épîtres et il n'a pas ce laisser aller, cette négligence qu'on voit beaucoup de nos jours. Il met toujours ensemble l'importance de la doctrine, oui, mais de l'éthique, de la pratique, de la mise en pratique de la parole de Dieu. Il prêche pas seulement la vérité qui concerne Jésus-Christ, mais il prêche aussi la vérité qui découle ou qui doit découler de la réception de la vérité qui est en Jésus-Christ. L'apôtre Paul savait très bien que notre acceptation par Dieu ne dépendait pas de notre obéissance, nous, à la loi de Dieu, puisque nous n'arrivons pas à obéir parfaitement à cette loi-là. L'apôtre Paul savait très bien que notre réception, disons, de la part de Dieu dépendait de Jésus-Christ, de son sacrifice à la croix, de son obéissance parfaite pour nous, en notre faveur. Et l'apôtre Paul prêchait quand même qu'un chrétien doit avoir à cœur de conformer sa vie à la loi de Dieu, à la volonté de Dieu qui est révélée dans la loi de Dieu. Un des buts de la mort de Jésus-Christ est que les demandes justes et bonnes de la loi de Dieu puissent être pleinement accomplies en nous. Un des buts du Saint-Esprit qui nous est donné, c'est que l'Esprit vient en nous pour écrire la loi de Dieu dans nos cœurs, pour que cette loi-là de plus en plus façonne tout ce que nous sommes et ce que nous faisons. La bonne loi de Dieu inclut les toutes petites choses de la vie quotidienne. Lors de son séjour à Thessalonique, Paul a enseigné non seulement l'essentiel de la bonne nouvelle, mais l'essentiel de la bonne vie que ceux qui ont reçu la bonne nouvelle doivent manifester. Il a enseigné non seulement au sujet de la foi en Jésus, mais des fruits qui découlent de la foi, la vraie foi. On avait vu au chapitre 1, au verset 3, il avait parlé de l'œuvre de votre foi. L'œuvre de votre foi. Il avait enseigné que... Nécessairement, la vraie foi produit des actions, des bonnes œuvres par la suite. Et il y a un urgent besoin que nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous voyons le lien qu'il y a entre la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ et la vie sainte à laquelle nous sommes appelés par le Seigneur. Regardons attentivement les versets particuliers qui sont devant nous ce matin. Je relis d'abord les versets 9 et 10. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous êtes vous-même instruits par Dieu en vue de l'amour réciproque. C'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière, mais nous vous exhortons, frères, à progresser encore. Il y avait à Thessalonique beaucoup d'amour qui était exercé par les chrétiens. Je vous rappelle au chapitre 1 verset 3, nous nous souvenons sans cesse devant Dieu notre père du travail de votre amour. Au chapitre 3 verset 6, Timothée vient de nous arriver de chez vous, et il nous a donné de bonnes nouvelles de votre amour. Chapitre 3 verset 12, que le Seigneur fasse abonder et déborder votre amour les uns pour les autres et envers tous les hommes. Il y avait déjà à Thessalonique un amour véritable qui était exercé par le peuple de Dieu, c'était merveilleux, mais il y avait encore de la place pour de l'amélioration. Il y avait encore de la place pour progresser. Et Paul dit Nous vous exhortons, frères, à progresser encore. Ce progresser encore risque de nous agacer un peu ou de nous irriter parce qu'il vient combattre notre paresse ou notre tendance à penser que nous en avons fait bien assez et que nous pouvons maintenant nous relâcher. Hein? Parfois, c'est ce qu'on pense, on en a fait assez, on aime assez ou on dit des fois, j'entends des chrétiens dire, c'est tout le temps à moi, à aimer et à aimer plus. On, on est porté parfois à, à vouloir se relâcher. Mais ce n'est pas une bonne idée. L'apôtre Paul veut vous exhorter à progresser encore. Nous aimons parfois ressasser nos exploits. Spirituel, de grand amour d'autrefois, mais qu'est-ce qui se passe depuis ces grands jours glorieux? C'est un progrès continuel auquel nous sommes appelés. Nous vous exhortons, frères, à progresser encore. C'est notre but de plaire à Dieu. Le chapitre 4 avait commencé de cette façon, hein? marcher d'une manière qui plaise à Dieu. C'est notre but, mais nous n'y arrivons jamais parfaitement ici-bas, bien sûr, mais il y a toujours de la place. Pour aimer plus et aimer mieux, ceux qui se sont convertis, ou mieux dit, ceux qui ont été convertis par Dieu à l'Évangile, cherchent à mieux aimer le Seigneur. Nous vous exhortons, frères, à progresser encore. Un panneau devant un bâtiment d'Église disait Donnez de l'amour et recommencez ». C'est ça, dans le sens, nous sommes appelés à donner de l'amour, à aimer et à recommencer chaque jour persévérer. Nous vous exhortons, frères, à progresser encore. Et puis au verset 11, Paul passe à quelques moyens concrets de manifester un véritable amour. Nous vous exhortons, verset 11, à mettre votre honneur, à vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. De son enseignement général, Paul passe à, disons, Quelques exhortations plus spécifiques. Regardons-les attentivement. Premièrement, nous vous exhortons à mettre votre honneur à vivre en paix. Notre Sauveur Jésus a dit « Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux ». Un chrétien est un artisan de paix. Il met son honneur à vivre en paix, et l'expression ici pourrait être traduite « à vivre paix » tranquille ou à vivre d'une façon douce, agréable, humble, cultiver des dispositions qui, qui favorisent la paix. Mettre en application ce principe, c'est avoir à cœur de faire de notre monde un monde meilleur en exerçant l'amour là où Dieu nous place. Votre lieu de travail est-il un meilleur endroit parce que vous y êtes? Votre école est elle un meilleur endroit parce que vous y travaillez? Votre voisinage est il un meilleur endroit parce que vous y habitez? Votre église est elle un meilleur endroit parce que vous en faites partie? Votre famille est elle une meilleure famille parce que vous êtes membre de cette famille là? Nous ne pouvons certainement pas, nous, changer le monde entier, transformer l'univers, bien sûr que non, mais nous pouvons, là où Dieu nous a placés, en mettant notre honneur à vivre en paix, nous pouvons transformer les lieux, les endroits, les personnes, notre entourage où le Seigneur nous a placés, par l'exercice, la pratique de cet amour qui pacifie et embellit. Le contraire, c'est de laisser notre vieille nature faire des siennes, prendre le dessus et être la cause de tensions, de conflits, de chicanes, de troubles, qui ultimement empoisonnent la vie, plutôt que de la rendre meilleure. N'oublions jamais que ce sont les tout petits gestes de bonté et d'amour quotidien qui ensoleillent ce monde et qui repoussent les ténèbres. Alors, aidons-nous ou nuisons-nous Sommes-nous remèdes ou poison Ici, l'apôtre Paul nous exhorte à mettre notre honneur à vivre en paix. Deuxièmement, nous vous exhortons à vous occuper de vos propres affaires. Imaginez une maison de sondage qui va dans votre quartier et qui fait une enquête pour savoir... Comment vos voisins vous perçoivent? Comment ils vous trouvent? Ils questionnent les uns et les autres. Ou ça pourrait être aussi ailleurs, dans votre milieu de travail. Qu'est-ce que vos voisins diraient à la maison de sondage en ce qui vous concerne? Est-ce qu'ils diraient, mais c'est un voisin merveilleux, c'est un voisin qui est toujours à sa place, c'est un voisin qui, qui prend bien soin de ses affaires et, et il ne nous dérange jamais. Et si on a besoin d'aide, il est toujours prêt à nous aider. Est-ce que c'est... -ce que les voisins diraient de vous Ou est-ce que les voisins diraient en commençant par un soupir Ah, oh, lui Il se mêle toujours de mes affaires. Il se met toujours le nez partout. Il devrait se mêler de ses oignons. S'il pouvait déménager ailleurs, on serait bien content. Qu'est-ce que vos voisins répondraient L'apôtre Paul, en parlant de l'amour, dit qu'un élément de l'amour, c'est de se mêler, de s'occuper s'occuper de vos propres affaires. Nous vous exhortons à vous occuper de vos propres affaires. Nos actions parlent plus fort souvent que nos paroles. Ce que nous disons a de l'importance, mais a beaucoup d'importance aussi si ce que nous disons s'accorde avec ce que nous faisons. Si j'ai un autocollant sur mon auto qui dit Dieu est amour, mais que je conduis mon auto... Avec rage et colère, en hein, gueulant contre tout le monde, je dois me rappeler que les autocollants ça parle pas aussi fort que ma conduite, que mon attitude. Il faut faire bien attention ici avec ces mots-là, à vous occuper de vos propres affaires. Ça ne veut pas dire mépriser mon prochain ou l'oublier ou le négliger. La Bible contient une grande série de Loi de bienfaisance. Voici un exemple. Si tu vois s'égarer le bœuf de ton frère ou son mouton, tu ne t'esquiveras pas, tu ne manqueras pas de les ramener à ton frère. Tu feras de même pour ton âne, pour son âne, tu feras de même pour son vêtement, tu feras de même pour tout ce que ton frère aurait perdu et que tu trouverais. Tu ne devras pas t'esquiver. Si tu vois l'âne de ton frère ou son bœuf tomber dans le chemin, tu ne t'esquiveras pas, tu l'aideras à le relever. Ça peut prendre mille formes aujourd'hui, vous êtes chez vous, vous voyez le parasol de votre voisin qui part au vent et le voisin est absent. Donc, toutes sortes de façons dont nous avons à, à nous préoccuper, à avoir un souci, un intérêt pour... Ce que les autres vivent. L'apôtre Paul ici, en nous donnant ces paroles, n'est pas en train de nous encourager à l'égoïsme, à l'égocentrisme. Il n'est pas en train de nous dire euh, foutez-vous complètement des autres, pensez juste à vos petites affaires, à vous autres. Non, non. Ce n'est pas ce qu'il fait. Cette consigne qu'il nous donne est placée dans un contexte où il nous exhorte à l'amour, à la pratique de l'amour qui met en nous un véritable intérêt pour euh, ce que les autres vivent. Mais en même temps, on doit apprendre à ne pas se mêler de ce qui ne nous regarde pas, à ne pas s'impliquer dans des choses qui ne nous concernent pas. Donc, il y a un juste milieu là à trouver. Et c'est à ça que Paul encourage lorsqu'il dit Nous vous exhortons à vous occuper de vos propres affaires. Troisièmement, nous vous exhortons à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. N'oublions pas encore ici que c'est une exhortation qui est structurée dans un texte qui parle de l'amour. L'argument de Paul semble être que si nous gagnons notre vie, c'est une marque d'amour, parce qu'alors nous ne vivons pas aux dépens des autres. Alors que si nous abandonnons délibérément notre travail ou si nous refusons de travailler par paresse, nous devenons des espèces de parasites du corps du Christ. Et l'apôtre Paul dit que ça, ce, ce n'est pas de l'amour. Il est possible que certains Thessaloniciens se disaient, puisque Jésus va revenir bientôt, à quoi bon travailler Dans sa deuxième épître aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul va revenir encore sur ce sujet-là. Il y avait des gens qui... Entretenait un grand enthousiasme face à, à la, la venue de Jésus. Paul parlait de l'avènement de Jésus, de son retour, et plusieurs pensaient que ça allait se faire de façon très, 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 très imminente, très proche, et donc ils pouvaient se dire possiblement Eh bien, à quoi bon travailler Attendons, sans travailler. L'apôtre Paul cherche à leur faire comprendre que ce n'est pas la bonne attitude, ce n'est pas du tout la bonne attitude, et la recommandation que Paul donne ici ou l'exhortation qu'il fait, il l'avait lui-même, disons, pratiqué. Je vous rappelle au chapitre 2, verset 9, « Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. » Donc l'apôtre Paul lui-même travaillait et fabriquait des tentes. En actes 20, 34 et 35, nous lisons, vous savez-vous même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons? En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler pour venir en aide aux faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus qui a dit lui-même: Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Paul prêchait par l'exemple et il faut travailler pour venir en aide aux faibles. En Éphésiens 4, 28, il dit que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais qu'il prenne plutôt de la peine en travaillant honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Pas qu'il travaille de ses mains pour aller s'acheter tout ce qui passe par la tête ou satisfaire ses caprices, non, non, pour pouvoir aider, parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Parce que Dieu nous appelle à bénir notre prochain parce qu'il nous a bénis. Au lieu de vivre aux dépens des autres, d'être une espèce de sang-su, apportons notre contribution en travaillant. Apportons notre contribution pour être en mesure d'aider ceux qui sont dans le besoin. Parce qu'il y en a qui sont dans le besoin, il y en a qui sont plus faibles, il y en a qui passent des temps où ils ont besoin. Votre Paul ici n'est pas en train de dire si vous avez perdu votre emploi, vous n'avez pas le droit de recevoir du chômage ou quelque chose du genre. Il y a des moments dans nos vies où nous avons besoin de l'aide gouvernementale, bien sûr, mais il parle contre ceux qui étaient paresseux et refusaient de travailler. Ce raisonnement de Paul sous-entend l'amour qu'il appelle ici dans notre passage l'amour réciproque, l'amour fraternel. Est-ce que ça fait un amour réciproque un amour fraternel sa œuvre et sa travail pour être en mesure d'aider les autres Nous vous exhortons à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. Et pourquoi tout ça Pourquoi ces exhortations La réponse est au verset 12 que je relis maintenant. Cela pour que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Donc deux raisons pour que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors, pour que vous n'ayez besoin de personne. Reprenons-les. Premièrement, cela pour que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors. Quelle est la responsabilité du chrétien envers ceux du dehors, envers les incroyants? Est-ce que c'est de... Faire comme s'ils n'existent pas? Ou est-ce que c'est de faire comme s'ils sont contagieux et rester le plus loin possible d'eux? Est-ce que c'est de les mépriser? Ou est-ce que c'est de suivre leur style de vie parce qu'on ne veut pas les offenser? Qu'est-ce que c'est le rôle des chrétiens face à ceux du dehors? La Bible nous donne beaucoup d'instructions à ce sujet. L'apôtre Pierre, par exemple, écrit Au milieu des païens, Ayez une bonne conduite afin qu'il voie vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour de sa visite. Ayez une bonne conduite. Une bonne conduite, ça inclut l'élément que Paul mentionne ici l'honnêteté. Que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors. Il avait parlé de l'honnêteté au, au verset 4 aussi, le chapitre 4. Il, en, il revient ici. L Importance de l'honnêteté. Un chrétien qui ne paye pas ses factures est, est un mauvais témoignage pour ceux du dehors. Un chrétien qui dit et ne fait pas est un mauvais témoignage pour ceux du dehors. Un chrétien qui ne tient pas parole, qui ne garde pas ses promesses est un mauvais témoignage pour ceux du dehors. Un chrétien qui ne tient pas ses voeux de mariage est un mauvais témoignage pour ceux du dehors. Plusieurs enquêtes ont révélé avec honte que le taux de divorce chez les chrétiens est aussi élevé que le taux de divorce chez ceux du dehors, chez les incroyants. C'est une catastrophe. C'est quelque chose d'honteux. Il y a beaucoup de théologiens qui se sont creusés la tête pour essayer de voir comment expliquer un tel phénomène et ils ont tiré deux conclusions. Ils ont dit que la première raison, c'est l'idée poussée à l'extrême populaire chez les chrétiens de nos jours, que le chrétien n'est plus sous la loi de Dieu, mais sous la direction du Saint-Esprit et qu'il peut donc être amené à divorcer quand il sent que son mariage ne marche plus. Entre vous et moi, c'est une idée qui sent le diable, n'est-ce pas? Deuxièmement, deuxième raison, c'est l'influence de l'individualisme et de l'égoïsme qui font voir le mariage comme une relation qui doit me combler et non pas comme le don de soi inconditionnel à l'autre. Bien-aimés, nous ne devons pas nous conduire comme les incrédules. Nous sommes appelés à, à être différents et à être, en quelque sorte, un modèle en toute chose. Deuxièmement, Paul dit pour que vous n'ayez besoin de personne. Dieu nous bénit, qu'on bénisse les autres. Pas pour qu'on soit reconnu, pour être des fainéants, pour toujours quémander aux autres. Mais elle veut que son peuple soit un peuple béni qui bénit les autres. Nous devons faire attention donc pour ne pas jeter le discrédit sur la foi chrétienne par des conduites qui sont inappropriées. Que nous le voulions ou non, nous faisons tous une certaine publicité pour le Seigneur par notre vie, par notre conduite. Alors, pour conclure, si un chrétien hypocrite donne naissance à cent incrédule, peut-être qu'un chrétien. Fidèle pourrait être utilisé par Dieu pour donner naissance à 100 croyants. Ce serait merveilleux, Dieu pourrait très bien faire ça. Notre témoignage, évidemment, <coughs> n'est jamais parfait. <coughs> Il y a une seule personne parfaite, c'est le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Lui, c'est lui, l'homme parfait. Nos vies, comme nos paroles, doivent pointer vers Jésus notre Sauveur, le seul homme parfait. L'apôtre Paul écrit, en 2 Corinthiens 2,15, que les chrétiens répandent en tout lieu le parfum de Christ, c'est-à-dire l'odeur de la connaissance de Dieu qui triomphe en Jésus-Christ. Nous sommes des parfumeurs, des parfumeuses. Nous répandons le beau parfum du Seigneur Jésus-Christ autour de nous. Nous communiquons le plus que nous le pouvons, par nos vies et par nos paroles, que le Seigneur Jésus-Christ sauve et transforme ceux qui se confient en lui, de sorte que grâce à Jésus, Dieu est à 100% avec nous, ici, maintenant, aujourd'hui et pour toujours. La joie de connaître le Seigneur, d'expérimenter son amour, produit en nous une vie d'amour et de grâce, par laquelle nous désirons montrer la beauté et la valeur inégalées qui est dans le Seigneur, la beauté et la valeur inégalée qu'il y a dans le Seigneur. Tout est vie, tout est lumière, tout est grâce, tout est joie, tout est amour en lui. Il mérite ce Dieu révélé en Jésus-Christ, d'être chéri, d'être aimé, d'être servi. Sa beauté est sans pareil. En lui seul se trouve la plénitude du bonheur, et c'est lui que nous voulons glorifier et honorer par nos vies, nos vies remplies d'amour, où nous nous conduisons selon les bonnes recommandations de la parole de notre Dieu. Amen.